Ben, bonjour, moi je m'appelle Shane, j'ai 22 ans, puis je viens de la Rive-Sud de Montréal, puis je fais de la moto. Fait que, yes sir. Fait que moi, ma moto, ben, c'est un Ninja 400 en fait, puis c'est un 2022 Kawasaki, puis je l'aime vraiment. Pour vrai, moi je l'ai vraiment choisi pour le look. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que c'est pas le moteur le plus hot, là, mais moi je m'amuse, puis je trippe à vie. J'aurais pu aller plus haut, mais c'était vraiment le look, moi, qui. Les 650, mettons, ils m'attiraient pas, là. Fait que j'étais là, je vais aller avec un 400 un peu plus bas, puis si éventuellement l'idée devient de me changer, ben je changerai dans un prochain futur. Ouais, moi, j'ai toujours été un enfant calme, j'ai jamais été un gros sorteux, un gros tripeux, là, si on peut dire. J'ai tout le temps été dans mon petit coin, je fais mes affaires. Je vois mes amis, puis j'ai tout le temps été bien, bien tranquille. J'ai jamais fait de conneries, puis c'est ça. Ben moi, jamais je pensais faire de la moto dans ma vie, honnêtement. C'est pas quelque chose qui m'attirait plus jeune. J'ai fait un petit peu de quatre roues, puis tout, mais c'était pas ma grosse passion, là. C'était vraiment une fois de temps en temps, puis tout. Puis c'est vraiment une idée qui m'est passée par la tête. Je me suis dit, allez, faut que je fasse de quoi de nouveau, faut que j'essaye. Fait que je me suis aligné vers la moto, puis je regrette vraiment pas mon choix, là. C'était une décision qui a changé ma vie, puis. J'adore ça. C'est pas, y a personne que je connaissais qui faisait de la moto. Là. Je me suis vraiment lancé dans un projet solo, là, puis j'étais allé jusqu'au bout. Là, puis c'est sûr qu'il y a peut-être l'effet qui m'a fait commencer. En fait, c'est de voir les gens qui sont des saluts. Puis t'as tout le temps l'effet un peu rassembleur de voir les gens saluer. Ah, tout le monde a l'air heureux quand ils font de la moto. Puis pas de stress, là, tout le monde ride tranquille. Fait que, ça, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Ah, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ouais, je me suis fait des amis d'après moi quasiment pour la vie. J'ai même poussé ma famille à faire de la moto. Fait que là, tout le monde fait de la moto quasiment dans ma famille à cause de moi. Fait que ma petite sœur, elle veut en faire aussi. Là. Fait que, elle est trop jeune pour l'instant, mais un jour, j'espère qu'elle va venir me rejoindre et qu'elle va triper autant que moi. Là, puis qu'on va rider ensemble. Là. Moi, ma moto est quand même stock. C'est sûr, j'ai changé l'exhaust parce que l'exhaust d'origine, c'est pas ce qui vaut le meilleur. Fait que moi, j'ai changé mon exhaust. J'étais allé pour un Atrapovic. Juste une pipe. Puis moi, ça me convient amplement. Là. Je vais pas trop me faire achaler par la police non plus. Fait que sinon, j'ai pas vraiment changé grand-chose. Moi, comme je t'ai dit, le look était déjà vraiment beau là, pour moi. Fait que j'ai changé le windshield. Je l'ai mis noir au lieu de transparent. J'ai aussi mes lumières, mes LED, que je peux allumer deux couleurs. C'est sûr que la nuit, on me voit. Je suis très visible. Fait que ça, on me le dit souvent. Des fois, j'ai mon casque, mon sac à dos. Fait que là, les gens me disent « Ah, ça ressemble au film de Tron un peu. » Puis tout, là, ça, je me fais tout le temps filmer sur la route quand même. Quand j'ai mes lumières allumées, ça n'a pas de sens. Ben, c'est sûr que la moto, c'est quelque chose de vraiment important pour moi dans ma vie. Là. Ça m'a fait. J'ai voyagé. J'étais allé aux États-Unis, en Ontario. J'ai vu le Québec un peu aussi. J'ai vraiment vu des emplacements que j'aurais jamais eu la chance de voir sans la moto. Ça, c'est sûr que la moto, ça m'a fait découvrir, explorer, rencontrer aussi. J'en ai parlé un petit peu. Là. Je vais souvent à des meets, je rencontre des gens. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment plaisant. Là. Puis sans la moto, honnêtement, jamais j'aurais été dans ma position aujourd'hui. Sortir de ma zone de confort, je pense que c'est vraiment le mot, en fait. Là. C'est vraiment... aujourd'hui, c'est rendu ma zone de confort, la moto. Fait que c'est sûr que l'hiver, c'est compliqué, l'hiver. Je suis capable de vivre ça, mais l'hiver, là, j'ai hâte de faire de la moto. Là. Quand je conduis ma moto, honnêtement, je me sens comme s'il n'y avait personne. Comme s'il n'y avait personne qui m'entourait. Je suis capable de danser, je chante tellement fort, puis là, je regarde quelqu'un à côté de moi, je suis comme « ouais », puis là, je danse avec les personnes même. Là. J'ai juste du plaisir, en fait, puis même les gens, on dirait qu'ils embarquent dans ton fun, là. T'es pas tout seul là-dedans, puis il y a tout le temps quelqu'un, puis tout le temps, comme j'expliquais, quelqu'un qui te fait salut, quelqu'un qui te regarde, puis là, tu danses, puis t'as l'impression d'être seul, mais en même temps, pas être seul. T'as juste la route, puis tu roules. Les arbres, le paysage, des fois la mer, l'océan, peu importe, c'est tellement un feeling différent que j'ai l'impression d'être plus proche que j'aurais peut-être pas en voiture. Tu sais, en moto, c'est quasiment du contact physique, là, si je pourrais dire ça un peu. Là. J'ai l'impression d'être là, dedans. Là. Fait que moi, cet été, je me suis lancé un petit projet, en fait, sur Instagram, là, puis j'adore ça, premièrement. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Là. Je fais des photos, des petites vidéos, là, des petites vidéos des moments qu'on a avec les autres parfois. Là. Puis c'est vraiment c'est funny un peu, là. Puis c'est vraiment un peu dans le style de raconter ma vie, en fait. Là. Fait que ma page s'appelle Life as Rider. Puis c'est vraiment, dans le fond, comme un journal intime. Puis mon journal de bord, moi, je raconte mes aventures, je raconte mes moments. Des fois, juste un petit fail là, qui se passe, puis je le raconte. Puis je filme ça avec ma caméra Insta 360, qui a vraiment des moustiques partout. Souvent en avant de ma moto, mais je peux l'accrocher vraiment partout. Là. Je peux le mettre sur le côté, je peux le mettre en arrière avec un stick.
Puis ça fait vraiment des belles vidéos. Puis ça capture les moments que j'ai besoin d'avoir. Puis c'est vraiment l'essence là, de ce que je recherche. Là. C'est vraiment les moments en fait là, que je veux enregistrer. Là. J'ai fait énormément de rides, mais une des plus mémorables que j'ai faites, c'est vraiment le Mont Washington. Parti très tôt, très tôt le matin. Longue ride. Tu passes par trois. Moi j'ai passé par trois États, si je ne me trompe pas, New York, Vermont, puis le New Hampshire. Je sais jamais comment le dire, fait que j'ai massacré le mot, mais c'est pas grave. Vraiment, c'est vraiment incroyable. C'est 7000 pieds, si je me trompe pas, dans les airs. T'es au-dessus des nuages. La ride, c'est fou. Là. Tu montes, puis tu regardes à côté, puis c'est une falaise. Là. C'est vraiment pas quelque chose qui est pour les débutants, en tout cas. Puis moi, je l'ai fait tout seul. Je suis parti un samedi matin sur un coup de tête encore. Puis c'est vraiment, là, c'est incroyable. Là. C'est la vue, la descente, la montée. Les gens en haut, là, c'est vraiment une belle ambiance, une belle vue. Puis c'est vraiment pas quelque chose que je regrette d'avoir fait. Puis c'est clairement quelque chose que je vais refaire. Parce que c'est tellement de rêves incroyables. Puis c'est clairement de rêves à faire aussi dans sa vie. Si vous êtes proche, là, je vous conseille vraiment d'y aller. Ça vaut la peine. Là. C'est tellement fou. À l'époque, j'ai eu un petit accident de moto, en fait. Après une erreur de wheelie. Fait que ça s'est pas bien passé. Puis ça a pas été long avant que je me remette sur pattes. Là. J'ai pas hésité une seconde à me racheter une moto. J'ai fait mes recherches. Premièrement, j'ai cherché sur les sites des concessionnaires. J'étais allé sur Saint-Mathias parce que moi, je connaissais déjà quelqu'un qui avait eu du bon service là-bas. Puis c'est vraiment une belle place. Là. C'est vraiment grand, spacieux. Il y a des bateaux, il y a tout là-bas. Fait que moi, ça a été mon premier choix où j'ai regardé. Puis ça a pas été long. Là. J'étais allé voir deux, trois jours après, j'étais allé voir la moto. J'ai celle-là que je voulais. Là. C'est vraiment. Le noir. Moi, j'avais une moto blanche avant, fait que j'ai vraiment été dans un contraste différent cette fois. Je voulais le contraire. Là. Puis quand j'ai vu noir et doré, là, j'ai fait ah, wow, c'est une vraie couleur. C'est sombre, j'aime ça. Le look, ça a l'air vraiment plus méchant que mon ancienne aussi, fait que ça, c'est quelque chose qui était recherché là, dans mes recherches. Super belle équipe de Saint-Mathias, là, puis j'ai été approuvé au crédit, ça a pris 5 secondes. Trois jours après, j'étais déjà sur ma moto, là, puis en train de rouler, puis d'enjoy. Là. Moi, la moto, c'est vraiment pas quelque chose qui était présent dans ma famille, dans mes amis ou quoi que ce soit. C'est sûr que j'étais vraiment perdu un peu, là, puis je me cherchais un peu, cherchais des trucs à faire, puis je me suis dit, fou, j'essaie quelque chose. Puis à force de voir les gens faire des saluts, l'effet rassembleur, comme je disais un petit peu, là, puis je me suis dit, hey, ça pourrait être intéressant. Fait que j'ai commencé à discuter avec des gens qui faisaient de la moto. Puis plus j'en parlais, plus ça m'attirait, plus que je trouvais des points positifs à en faire. Puis ça a vraiment été un bon choix. Là. Vraiment, là, j'ai fait mes cours de moto un peu sceptique parce que c'est quelque chose que tu es vraiment nouveau. Puis tu te lances dans un défi un peu. Là. C'est quand même un défi là, de tout faire ça. Puis c'est vraiment du temps, c'est de l'argent aussi. Je veux pas la moto, c'est un sport qui coûte très très cher. Un petit peu stressé d'en commencer. C'est quand même quelque chose qui fait peur. Là. Tu vois les bikes là, souvent fou à gauche à droite. Puis. Tu entends souvent parler des accidents aussi, souvent ça peut mettre un step back à certains, là, puis moi ça ne m'a pas arrêté. Là. Au contraire, là, c'est quelque chose qu'on regrette pas. C'est sûr que rouler en moto, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quand. En fait, le rouler, là, c'est pas juste rouler, c'est une aventure. Tu fais des découvertes que jamais tu t'attends à voir. Là. Je me souviens, à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai visité une mine. Vraiment pas prévu dans mon planning, mais ça a donné que ça. Je passais par là, puis c'est vraiment chaque ride. Et quelque chose de différent. Chaque ride est une aventure. Puis tu sais jamais ce que tu vas faire. Là. Jamais. Tu peux te retrouver dans un meet. Tu peux retrouver. Finalement, tu rides avec du monde que tu connais pas. Il va t'arriver plein de choses là, en fait, que jamais tu vas te dire. C'est vraiment l'inattendu, en fait, la moto. Là. C'est ça qui est incroyable. Là. C'est pas quelque chose que tu vas te dire, OK, je vais faire telle chose. Puis jamais tu vas avoir un plan A. Qui va finir vraiment avec ton plan A du départ. Là. Tu vas vraiment faire plein de choses différentes. Là. Les choses que j'aurais aimé à dire chaîne plus jeune, je pense que ça aurait été vraiment fonce. Et pas peur, là. Essaie des choses, puis tu vas jamais le regretter d'essayer quelque chose que tu sors de ta zone de confort. Là. C'est quelque chose que tu vas juste triper, puis au pire, tu fais une erreur, tu te lèves, tu recommences, puis that's it, là, il n'y a pas de pression dans la vie. Là. C'est vraiment. Prends ça chill. Prends ça chill. Les futurs projets pour cette moto-là, il n'y en a pas, en fait. Ça va être un changement de moto éventuellement. Vraiment pas bientôt, mais je veux pas mettre d'autres parts dessus ou quoi que ce soit. Là, ça va être du gaz, les entretiens, du gaz, puis les entretiens, c'est ça. Les entretiens, l'huile, mais vraiment pas de grosses modifications majeures. Parce qu'éventuellement, je pense changer. Là, c'est quand même un petit moteur, pareil. Puis c'est quand même tentant de voir les autres qui roulent, puis de...
puis de voir. Fait que je pense que ça va être un upgrade, en fait, la prochaine. Fait que c'est ça. Pas d'idée pour la prochaine encore. Moi, c'est vraiment le look là, qui va changer la donne. Ça tournerait sûrement autour des 600cc ou 700cc, je sais pas. Peut-être même changer pour un Naked. Des trucs que je pense, mais vraiment, là, c'est pas décidé puis c'est pas dans un futur proche. Là. Parce que j'aime le plus, je pense, sur mon bike, c'est vraiment le confort. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, mais moi, je suis très confortable sur ma moto. Puis vraiment, je peux rouler des 12 heures. Puis, bon, c'est sûr que j'ai un peu mal aux fesses après 12 heures, mais je suis quand même vraiment confortable. Là, la position de conduite, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est sûr qu'avec une mauvaise condition de conduite, là, je serais vraiment pas confortable. Puis, ce serait quasiment même pas le fun de rider, en fait. Là, c'est quelque chose qui est important, le confort, je pense. Puis, fait que c'est ça. Ce que j'aime le moins, je pense, c'est vraiment la force du moteur. Même si je dis souvent que j'aime mon 400cc, c'est vrai que. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de défauts en tant que tel, je trouve, mon bike. Fait que s'il y aurait quelque chose vraiment à changer en particulier, ce serait un upgrade, comme j'ai dit. Là. Ce serait un plus gros CC. Mais sinon, c'est pas mal ça, mon bike. Je l'adore, là. Puis je suis vraiment pas prêt à le changer pour l'instant. Je l'ai acheté, elle avait 0 km. Ça va faire 2 ans, je pense, en juillet. Juillet à août. Puis j'ai 27 000 km. Juste cet été, on est en juin, début juin, puis j'ai déjà fait 9 000 kilos cet été. On a un bel été pour l'instant, fait que j'en profite au maximum, puis je vais continuer d'en profiter, puis c'est vraiment quelque chose qui me fait pas peur, le kilométrage. Si j'avais à décrire la moto en un mot, là, c'est même pas une question, le mot que je choisirais, c'est la liberté. Tu te sens tellement libre, tu te sens comme s'il y a rien qui pourrait t'arrêter. Là. La moto, c'est la liberté. Là. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est gratifiant. Puis c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'en parler quand même. Là. Fait que si ça attire des gens à faire de la moto, là, tant mieux, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne regrette pas, comme j'ai dit plusieurs fois. Puis moi, j'ai pas l'intention d'arrêter, même j'ai l'intention d'ouvrir mes portes, de voyager plus loin que j'étais encore allé. Je me vois toujours faire de la moto, je me vois pas arrêter. C'est une passion à vie, puis ça va rester à vie. Puis avec mon petit Ninja 400 pour l'instant, je vais continuer de rouler tout l'été, ça c'est certain. En profiter, puis venez profiter avec moi.